Fin novembre, à Paris, débute la COP21, la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Êtes-vous optimiste quant à la signature d'un accord universel ? Écoutez, j'ai écouté le président de la République il y a quelques jours en conférence de presse. Je ne vais pas être plus optimiste que lui. Il a bien précisé que rien n'était joué. Qu'aujourd'hui encore, de nombreux pays n'avaient pas rendu ce qu'ils devaient rendre comme proposition. Qu'au niveau du fonds vert, au niveau mondial, pour les éléments sonnants et trébuchants, on n'était pas encore au niveau financier qui devrait être celui qui devrait sortir de la COP21, la 21e. Optimiste, non. Mais mon pragmatisme et mon réalisme font que, il me semble que le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, notre principale négociatrice, enfin une de nos principales négociatrices, Laurence Soubiana, mettre le paquet. Pas la ministre de l'écologie, c'est Ségolène Royal, évidemment, mais tout ça, voilà, pour réussir. Mais on sait que depuis 1992, les différentes conférences n'ont pas toujours eu des résultats tout à fait satisfaisants. Donc voilà, on y va à fond. Moi, je serais satisfait de cette conférence si elle sortait qu'une résolution, ça, sans doute, il y en aura une, mais que de cette résolution sortent quelques politiques contraignantes. Notamment financièrement contraignantes ou des opérations contraignantes sur la lutte contre l'effet de serre, la sobriété énergétique, les productions d'énergie renouvelable. Évidemment, selon le niveau industriel de chaque pays, tous les pays ne sont pas au même niveau. Voilà. Si on arrivait à ça, on pourrait dire que la conférence est réussie. Les questions migratoires sont depuis peu au cœur de nombreuses polémiques européennes. Ouais. L'Europe devra bientôt faire face à un nouveau type de migrants, les réfugiés climatiques. À votre avis, quelle politique l'Europe doit-elle mener pour se préparer à les accueillir? Quel statut pour ces migrants? Les réfugiés climatiques, moi j'en parle en tant qu'écologiste historique depuis très très longtemps. Mais heureusement, il nous reste devant nous, si on fait les choses convenablement, quelques dizaines d'années pour envisager cela. Sauf catastrophes naturelles existant malheureusement dans de nombreux pays dans le monde. Mais je mets ça de côté. Alors, sur le migratoire en ce moment, écoutez, on est dans une situation géopolitique mondiale rarement vue depuis la fin de la guerre de 39-45. C'est pas ici que je veux dire qu'on va inventer que les frontières ont bougé. Elles ont bougé aussi ici, convenablement, mais ailleurs c'était plus difficile, et ne serait-ce que pas loin d'ici, à l'Est, c'est toujours difficile. Je vous parle pas du Moyen-Orient où c'est très difficile. Donc là, on est en train de gérer dans l'urgence des choses très délicates que nous gérons dans l'Union européenne aujourd'hui avec quelques dizaines de milliers. Mais tout le monde sait qu'il y a 2 millions de réfugiés syriens en Turquie, 1 million au Liban, plusieurs centaines de milliers en Jordanie, qu'il y en a d'autres sur la corne africaine pour d'autres raisons, parfois les mêmes, terrorisme, islamisme, intégrisme, mais aussi parfois, parce que je pense à l'Érythrée, dictature féroce. L'Union européenne fait ce qu'elle peut. Il faut que tout le monde y participe. Voilà. Mais je sépare ça des migrations, du changement climatique. En tous les cas, une chose est certaine, l'aide au développement, et l'Union européenne y met près de, allez, on va dire 0,72%, 70% de son budget. C'est très bien. La difficulté là-dedans, et je ne voudrais pas être trop long, c'est que à qui finance-t-on ? Comment finance-t-on des politiques de co-développement ? La nouvelle loi française sur la transition énergétique a été promulguée en mai dernier. En tant qu'écologiste français, vous avez participé au débat en France. Oui. Pensez-vous que cette loi soit à la hauteur des enjeux ? Comment peut-elle inspirer les États voisins ? Moi, je trouve que cette conférence, qui a duré un an de travail, c'est une conférence plus qu'utile. Et moi, je trouve que ce qu'on est sorti au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est-à-dire au Parlement, ça ne surprendra pas que je dise ça, vu mes positionnements politiques, mais je trouve que c'est une très bonne loi. Voilà, maintenant, il faut la mettre en œuvre. Tout le boulot est là. Mais la façon dont tout ça a été élaboré me paraît, en tout cas, en très large accord avec ce que produit l'Union européenne dans le cadre environnemental et de l'énergie.